Ciao les abonnés, ciao tout le monde, ciao les amis. Donc voilà, dans cette petite vidéo, je vais juste vous montrer à quoi sert ma chaîne. Je vais refaire une présentation de ma chaîne et vous allez voir vraiment pourquoi cette chaîne est destinée aux Ardennais et pas que aux Ardennais. Donc voilà, donc cette chaîne est destinée à faire connaître les Ardennes. Les Ardennes, donc en un seul projet mais sous plusieurs formats. Donc voilà, donc je vous explique. Donc il y a des randonnées. Alors je vais rendre des randonnées dans des villes, ville par ville. C'est beaucoup de forêts dans des lieux connus, genre Roque la Tour, les Quatre Fils-Aymon, le Cheval Bayard. Bon là je vous nomme juste le coin où je suis. Donc je ferai aussi les autres coins bien sûr. Donc je fais les Ardennes. Il m'arrive aussi de faire des fois les autres choses. J'ai fait Verdun, magnifique vidéo. Je vous mettrai en lien la vidéo de Verdun, les deux vidéos que j'ai fait. Donc franchement, elles sont magnifiques. Voilà. Donc c'est un nouveau concept de vlog en gros là. Donc je vais vous faire des vlogs à l'extérieur, mais je vais vous faire aussi des vlogs comme là, avec des voilà, des photos qui défilent derrière, des propres photos. Donc ça peut être des photos là, comme un mix de photos, donc HDR ou dans par exemple sur le vlog, par exemple, on va faire un vlog avant d'attaquer la trace de nos guerres. Donc trace de nos guerres, ça sera sur pour ceux qui savent, je vais pas vous réexpliquer. Pour ceux qui savent pas, je vais vous réexpliquer à vous. Donc trace de nos guerres, ça sera simplement, je vais partir en randonnée, voilà, sur dans la forêt où il y a eu la guerre. Donc ça veut dire où il y a encore des bâtiments, des blocos, des histoires, je vais tout vous raconter. Voilà, et à côté, il y aura un diaporama. Donc voilà, il y aura une vidéo par semaine qui sortira sur ce thème-là, donc traces de nos guerres. Une vidéo par semaine, ou peut-être deux. Donc voilà, qui sortira. Et il y aura le diaporama aussi à côté qui sortira en même temps. Donc voilà. Donc la randonnée, ça se passera comment? Ça sera, vous aurez la vidéo, vous aurez quelques photos. Voilà, je vous expliquerai un peu les points clés. Les points clés voilà, de traces de nos guerres. Les points clés, s'il y a un blocus, je vous expliquerai à quoi servait ce blocus. Des anciennes tours de garde, des anciennes traces de mitrailleuses, tout ça. Donc voilà. Donc tout ce qui servait dans le temps à la guerre. Donc voilà. Sachant que surtout à Monthermé, voilà, il compare ça un peu les soldats à Verdun, aux soldats de Verdun. Donc je vous expliquerai pourquoi, je vous ai même expliqué pourquoi dans un vlog. Voilà, c'est ils n'ont jamais vu des combattants aussi à Verdun qu'à Monthermé, aussi vaillants. Donc voilà, je ferai aussi les ardoisières. Donc, mais les ardoisières, je vais les faire avant. Pourquoi? Parce qu'en hiver, c'est plus beau. Déjà qu'il y a plein de couleurs, les ardoisières en hiver, c'est plus beau. Les ardoisières dans les Ardennes. Donc c'est plus beau avec les stalagmites, les stalactites, tout ça. Franchement, les couleurs vont sortir encore mieux. Donc là, on ira. Il n'y aura pas de randonnée, ça sera directement devant l'ardoisière. On fera l'ardoisière, donc les grottes. Et voilà, on filmera tout autour. Moi, je vous expliquerai aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ardoisière. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, ce que ça servait d'abri aussi pendant la guerre. Faut pas l'oublier. Et voilà, donc les ardoisières de Monthermé, Fumay et Èbe, donc les plus importantes. Et s'il y en aura d'autres, j'en ferai d'autres. Donc voilà, c'est les deux gros concepts au niveau des vidéos.
Donc ça, c'est des concepts qui seront en série. Il y a aussi la voie verte. Donc j'ai commencé, j'ai fait déjà Bougny-sur-Meuse, donc je suis parti du quartier de Châteauneuf jusqu'à Monthermé. Donc voilà, donc il y a une vidéo et il y a aussi un diaporama à côté. Donc là, j'ai fait le deuxième, Monthermé de ville. Bon, j'étais un peu embêté, donc je n'ai fait qu'un diaporama, mais ça y est, la vidéo va sortir. Bonne nouvelle, la vidéo va sortir avec les quelques photos. C'est bon, ça va sortir. J'ai trouvé le bon logiciel. Oui, je filme en 4K, donc c'est un peu difficile les conversions et tout, surtout que je suis débutant sur YouTube. Donc voilà. Donc, c'était un peu tout sur la présentation de ma chaîne. Donc, sachez que pour l'instant, je n'ai pas encore fait la bannière, je n'ai pas encore fait toutes les miniatures. Je répète, je suis un débutant sur YouTube. Et mes diaporamas, j'en fais beaucoup. Donc, c'est beaucoup aussi basé sur la photographie. Donc, c'est du HDR. Avant, je touchais beaucoup à la saturation. Maintenant, j'y toucherai moins parce qu'on me l'a dit. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui m'ont dit voilà. J'ai regardé dans les statistiques aussi. J'ai beaucoup de vues, mais c'est pas les abonnés. Il y a plus de vues de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, c'est pour ça qu'il est important de vous abonner. Donc ma chaîne, elle consiste en quoi en vrai? Ma chaîne, elle consiste à présenter les Ardennes sous plusieurs formats. Voilà. Et plus tard, on va aller faire des lives. Donc live, ça va bientôt commencer. Des lives dans les bâtiments, des lives dans les bâtiments historiques, des lives dans les associations, les petits commerces, tout ça, par rapport à ce qui se passe au Covid et tout. Comment ils tiennent, comment les Ardennes se relèvent, voilà. Les lives dans les associations aussi, voilà. Des lives de personnalités. Donc, je vais pas dire les noms, mais de certains maires qui prennent beaucoup d'initiatives dans leur ville, voilà. Donc, il y a beaucoup de bénévolat pour aider les gens et tout. Donc voilà. Je représente les Ardennes un peu comme ça. Et ensuite, voilà, une fois que je monterai en abonné, je pourrai me permettre de faire, après Traces de Guerre et les Ardoisières, faire autre chose. Donc je sais pas, hein, on va voir. Faire des autres concepts. Mais pour l'instant, ça se base là-dessus. Vous faire découvrir les Ardennes, à vous les Ardennais. Alors moi je vais faire toutes les villes. Pour l'instant je fais que le nord, donc je fais Monthermé, Nouzonville, Bogny-sur-Meuse. Et je vais faire ensuite le reste de la voie verte. Je vais faire un peu toutes les villes dans Traces de nos guerres. Donc voilà. Donc sinon, c'était la présentation de ma chaîne. Donc je voulais en refaire une. En mode vlog avec ce petit concept avec les photos derrière, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà. Donc je vous invite plutôt à visiter ma chaîne, les vidéos que j'ai fait avant. Je vais en faire des autres, vous allez voir. Donc ça va être programmé là avec le Covid, machin, les petits problèmes personnels, j'ai eu des retards, il y a des retards de sortie. Mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les Ardennes, pour ceux qui ne sont pas des Ardennes aussi, parce que voilà, les Ardennes, c'est un beau département. Je pense que dans chaque département, il y a une chaîne comme moi. Donc, j'aimerais bien être la chaîne numéro 1, parce que par la suite, je vais créer une association. Et pour ça, il faut que la chaîne marche. Et l'association, j'en parlerai quand il y aura beaucoup plus d'abonnés. Et c'est une association qui va franchement aider les Ardennes à se développer. Bon, ben pas de ouf, mais vraiment qui va aider les Ardennes via cette chaîne YouTube. Et ensuite,
via le non virtuel, quoi. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo que je vais vous balancer, c'était bon, pareil, elle devait sortir lundi, il y a encore un peu de retard parce que mon chien il fait une grossesse nerveuse et ma femme est malade, elle est donc avec les voisins qui font en fait la fête, elle est en repos et est enceinte donc chez sa mère. Donc je dois rester un peu avec mon chien, donc Chippy, donc c'est la mascotte de la chaîne, Chippy, donc elle est là. Voilà, Chippy. Voilà. Vous voyez, elle est pas trop bien, donc voilà, ça ira mieux dans les 3 jours. Donc, je vais faire l'ardoisière de Monthermé. Donc voilà. Je vais faire l'ardoisière de Monthermé. Le trou des Bris ou le trou des Rébis, je me rappelle plus. Donc j'ai déjà été, j'ai fait quelques photos, mais c'était avec une caméra TV, donc voilà, ça n'allait pas de trop. Là, je vais vous faire ça avec la caméra Sony. J'ai trouvé comment on filme de nuit. Ça y est, c'est bon. Pour ceux qui ont vu voilà, la vidéo. Donc je vais ressortir la vidéo de la voie verte que je devais sortir. Vous avez vu que le diaporama, là vous aurez la vidéo. Mais vous n'aurez pas la dernière partie. Je vous explique pourquoi. Parce que de nuit, voilà, c'était un peu. Voilà, de nuit, c'était un peu la dernière partie. Et vraiment en 4K, je ne peux pas la changer. Mais vous aurez une belle vidéo. Et la vidéo des ardoisières. Donc voilà. Là, on va commencer par l'ardoisière de Monthermé. C'est une vidéo et vous aurez le diaporama à côté. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à partager ma chaîne. Allez, ciao les amis.